Salut tout le monde, désolé, je commence l'intro de ma vidéo avec mon téléphone puisque j'ai pas pensé à le faire avec ma caméra, mais qui est à l'écurie, j'y vais. J'espère que le son sera pas trop décalé, des fois ça arrive avec mon téléphone, le son est décalé. Bref, fermez les yeux, vous aurez les mêmes infos. Alors ce matin on a traîné un petit peu parce que on avait pas mal de choses à faire, des cours, tout ça, et puis il pleuvait. Là il doit être midi 20, même pas non. Il est absolument midi 24, voilà. Donc, j'ai emmené Ouana et Rocco au pré. Armor, Isco reste à l'écurie aujourd'hui, puisque la maman de Armor vient ce midi. Les juments restent à l'écurie, puisque la DP de Gali vient à 13h30. Et la peut-être future DP de Capucine vient aussi à 13h30. On va aller monter ensemble. Mes retraités, enfin... Les trois retraités Nono et Oasis, après que les DP soient venus, ou alors maintenant, je sais pas, je vais voir. Je vais les emmener pour le week-end au champ à côté de la carrière, ils vont y passer le week-end. Parce que moi j'ai un gros tournoi de pétanque sur 24 heures, donc voilà. Juste ce soir, bah, je ramènerai Rocco et Ouana à l'écurie. Et après on verra si demain je sors les garçons et les filles, ça dépend de qui vient quand. Mais voilà, pour l'instant c'est maintenant tout de suite. Je vais voir ce qu'on fait, mon chéri est en train de faire les filets à foin. Donc ça sera fait, je vais aller les mettre pour ce soir pour Rocco et Ouana. Et on a fait un tour d'eau déjà ce matin, il va falloir qu'on en fasse un deuxième. Et il va falloir qu'on aille remettre un bac à eau en plus dans le pré où vont aller mes chevaux. Mes chevaux et Kinette du coup, pour qu'ils aient assez pour le week-end. Évidemment je passerai, je peux passer, il y a des moments où je vais pouvoir passer. Mais au moins que tout soit prêt. Bref, je remonte là, j'arrive à l'écurie. Et puis je vois ce que je fais. Est-ce que j'ai peut-être le temps de ramener mes chevaux en bas? Je ne sais pas, on va voir. Ça, c'est fait. Moi, il est midi 45 avant que Clara arrive parce qu'elle vient manger avec moi. Enfin, avec nous. Ah bah tiens, elle m'envoie un message. Je vais reprendre une tonne d'eau pour les juments et les trotteurs. J'ai oublié de prendre ma caméra, désolée. Je suis retournée faire un petit tour d'eau parce que j'avais le temps. La Clara va arriver. Comme ça, l'eau, ça sera fait pour l'écurie. Donc j'attends après les DP. On va faire un petit tour, on va discuter tout ça. Et après, on s'occupera de mes chevaux pour les emmener en bas. J'ai donné à manger aux juments et aux garçons, du coup. J'ai pas encore donné à mes chevaux, mais je donnerai juste avant de descendre. Et puis voilà, ils vont passer le week-end à côté de la carrière, voilà, tranquillement. Faut juste qu'on leur ramène un petit peu plus d'eau. J'ai récupéré un bac à eau, les bidons sont pleins, donc on n'aura plus qu'à faire après ça. On n'aura plus qu'à faire ça après. Enfin, on les a croisés au premier tour d'eau et c'est des copains à moi. Et là, je les ai recroisés. Bref. Voilà. J'essaie de vous filmer à la caméra le reste. Je sais pas si mon copain reste pendant qu'on fait une balade ou qu'on va dans la carrière avec les DP. Je crois que la DP de Gali voulait aller dans la carrière, donc je pense qu'on va y aller en fait. Finalement, pas une balade, on verra. Bref, je finis l'eau, je vais manger et on est parti pour les DP. Si mon copain reste, il filmera. Sinon, je filmerai ce que je... Voilà. Ça a pas l'air de l'embêter, ouais. Hein, chat? Quoi? T'es bien là? Ouais. Toujours bien. Ouais. Je m'en fous parce que moi je me prends en retour et en retour ça monte. Ah, c'est gagnant. Je me fais légèrement distancer. Mon copain m'a piqué mon poney. Du coup les filles sont parties là. Et lui aussi. Regardez ça. Un DP de Gali et Gali. Mon chéri sur Nono. Et sûrement la nouvelle DP de Capucine. Allez, je ferai un petit raccourci, moi. Je suis désolée, la vidéo est sûrement un peu décousue. Mais c'est pas une journée comme d'hab, vu que là, on est venu plus tard, qu'on sort pas certains chevaux, qu'il y a un essai de DP, que mon chéri, en plus, est là, donc il m'aide. Du coup, là, on va aller un peu dans la carrière, un peu sur la plage. Après, je récupère mon poney, évidemment, pour remonter. Hein, et ça sera mon chéri qui filmera, donc voilà. Et après, une fois que tout est fait, on va... emmener Nono, Oasis, Kourou, Nérisson et Kinette dans le pré à côté de la carrière pour le week-end, comme je suis là mais je suis pas là en fait. Comme ça ils vont être tranquilles, les filles ont rien à faire.
Ils passeront le week-end là-bas. Les juments vont rester à l'écurie parce que leurs DP sont là ce week-end. Et Armor et Isco vont rester aussi parce que la maman d'Armor est là ce week-end. Donc voilà. Mais il faut absolument que je fasse une vidéo aujourd'hui parce que je suis en retard, comme je vous l'ai dit. Et que là, cette semaine, vous avez vu la vidéo de lundi. Là, normalement, c'est mercredi. Et vendredi, ça sera sûrement les vidéos de 24 heures de pétanque parce que je compte filmer. Voilà, c'est un peu hors contexte, mais je compte filmer. Donc voilà, ma semaine sera bouclée. C'est ça le programme. Voilà, donc c'est pour ça que je filme aujourd'hui, même si c'est un peu décousu. Normalement, quand il y a des journées comme ça, je ne filme pas forcément parce que c'est compliqué à structurer. Mais écoutez, il faut sortir un peu de son confort. Voilà. Ah oui, autre chose, je voulais vous le dire tout à l'heure, mais j'ai pas envie de rentrer trop tard. Là, il est 1h30 passée, il doit être 14h. Je veux pas rentrer trop tard parce que justement les 24 heures de pétanque c'est sur 24 heures. Donc il va falloir que j'accumule, il est 14h20, que j'accumule un peu de sommeil aujourd'hui et que je finisse le montage du coup ce soir, quoi, en fin de soirée. Donc quand on a fait les essais, la petite balade, quand on a emmené les vieux en bas, on ramènera Rocco et Wana. Je leur ferai des soins, enfin je lui ferai des soins à Wana. Et puis il faudra aussi qu'on amène un peu d'eau aux garçons, enfin aux chevaux qui seront en bas. Et voilà. Comme ça, c'est une belle journée bien structurée. Mon chéri, il a un rendez-vous à 17h. Donc si on peut être rentré avant, ce serait juste parfait. Ça me mettrait le temps de faire mon montage, de me reposer, etc. Bref, ils arrivent. Tombé. T'as une dégaine, toi, mon gars. Vraiment.
Bon, voilà, il est en train d'énir Chara. Et en plus, Rocco lui répond. On va chercher Rocco et Wana, là, il est 16h. Ça s'est bien passé. La DP de Gali, bah, très bien. De toute façon, je l'aimais déjà bien. Ça matchait déjà bien, là, la nouvelle DP de Capucine. Normalement, elle prend une DP dessus. Et franchement, ça a très, très bien matché. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est fou, hein. On arrive toujours à matcher des cavaliers avec les chevaux. C'est dingue. Hein, je sais pas ce que t'as filmé, mais je pense que sûr. T'as fait des jolis plans. Ouais. Ok. Cherche des pommes. Même elles sont tout au-dessus. Tout en haut. Tiens, elles sont cachées là. Et voilà. Là, on va chercher Rocco et Wana. J'ai oublié de donner les médicaments à Oasis. Donc, je vais peut-être te déposer à la maison, chat, et aller donner au moins le médicament à Oasis. Et puis voilà. Mais c'était une belle journée. En fait, on a réussi à filmer plus ou moins. Hein, parce que franchement, c'était pas. On est comme ça, c'est pas facile à filmer. Bref. Monsieur a chopé des pommes. Donc, il va nous les ramener à l'entrée. Oui, l'entrée est au fond. Pas ici à côté de l'écurie parce que sinon je peux pas rentrer avec le quad. Voilà. D'ailleurs, on pourrait faire une ouverture au fond, mais bon. Allez, ça fait marcher. Regarde comment il est sale, monsieur. Ouh là là, ça s'est roulé partout dans la boue. Un cochon. C'est parti. Petit Rocco, petit Wana. Rocco était déféré hier. Puisque avec son âge là, il a l'arthrose, donc les fers ça tire un peu. Faudrait qu'il élargisse un petit peu ses pieds qui sont très fermés. Voilà, donc pour l'instant écoutez, j'ai mis le licol pas bien. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça écoutez, il marche. De toute façon, il marchait déjà. Non, sur les bordures et pas sur l'herbe, même ferré. Donc là on va retourner à l'écurie, je vais curer ses pieds avant qu'il retourne au pré, au paddock. Et puis à Wana, je vais lui mettre son liner, les soins, le goûter.
et Audi. Et voilà, tout est fait. Je viens de remettre Oana au pré. Du coup, il est pas trop tard, il est 16h, donc, 16h30, je pense. Donc c'est cool, on va pouvoir rentrer, je vais pouvoir bien me reposer pour revenir demain matin mettre de l'eau en bas. Et là, ils ont de l'eau, mais comme ça, ils auront un peu plus. Rajouter de l'eau, en tout cas, demain en bas. Tout le monde est dans ses quartiers pour le week-end, donc ça va être tout pour cette vidéo. Je vais aller donner à manger à Oasis. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !